Les petits Suisses sont forts, exemple Raphaël Donjean et Bertrand Piccard, mais les Tropéziens ne sont pas mal non plus. Pour preuve, Jean-Pierre Tuvéry, bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. Qui nous a fait venir cette magnifique exposition à Saint-Tropez, l'exposition justement de Raphaël Donjean, qui pour la première fois sort de Suisse. Oui, je crois que c'est quelque chose qu'il faut, sur laquelle il faut vraiment insister. Pour la première fois, donc, cette exposition est montrée hors de Suisse et c'est à Saint-Tropez qu'elle l'est. Donc pour nous, c'est un grand privilège et un grand honneur que de l'accueillir. Alors ça correspond aussi à votre volonté qui s'illustre aujourd'hui même par l'ouverture des rencontres internationales de la mobilité durable pour que nous découvrions le monde d'aujourd'hui et de demain, celui des énergies renouvelables pour un monde plus propre, pour un monde meilleur. Alors Jean-Pierre, vous avez donc découvert cette exposition, pionnier et aventurier de l'énergie solaire à Montreux. Racontez-nous vos premières impressions. C'est une exposition qui est extrêmement riche, très enrichissante car on y découvre effectivement l'histoire de tous ces aventuriers et ces pionniers de l'énergie solaire, dont certains ont commencé à utiliser cette énergie dès le 19e siècle. Ensuite, ce n'est qu'à partir des années 50, effectivement, que les projets se sont développés. Le projet, évidemment, le plus impressionnant, c'est le tour du monde accompli donc par Raphaël Donjean et son équipe à bord donc du planète solaire que nous avons derrière nous, voilà. Et qui est quand même le premier tour du monde qui a été réalisé de 2010 à 2012 uniquement donc en utilisant de l'énergie solaire, c'est-à-dire des énergies renouvelables. Alors effectivement 19 mois je crois de tour du monde par ce Suisse qui au départ est donc ambulancier et qui a un rêve plus grand que lui mais qui trouve des gens qui le suivent. Alors vous finalement Jean-Pierre, est-ce que vous avez aussi une âme d'explorateur ? On a tous une âme d'explorateur et il y a un certain nombre de choses que nous aurions aimé faire dans notre vie mais que malheureusement les circonstances ne nous ont pas permis de le faire. J'avoue que si j'avais pu naviguer sur planète solaire, eh bien je l'aurais fait avec un très grand plaisir. Je ne parle pas bien évidemment de Solar Impulse. Alors là je ne sais pas parce que c'était quand même un petit peu plus dangereux. Je ne suis pas pilote d'avion, mais je dois dire que bon, si l'occasion se présentait dans des conditions de sécurité qui auront été testées, eh bien, pourquoi pas. Je crois que tous ces projets, finalement, nous projettent sur l'avenir. Ils permettent donc de développer les technologies existantes qui nous permettront, je pense, si elles sont utilisées rapidement et efficacement, de relever le défi du réchauffement climatique qui nous concerne absolument tous et sur lequel nous devons tous être mobilisés. Merci Monsieur le Maire. Bonne soirée.